Bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler du film Under the Skin, qui est un film réalisé par Jonathan Glazer, qui est un réalisateur de vidéoclips et de publicités, avec Scarlett Johansson. Alors, c'est un film. Sur une dame. Elle prend des mecs et elle les mange, j'en sais rien. En fait, officiellement, elle les capture pour en faire de la nourriture pour les extraterrestres ou quelque chose comme ça. Donc, enfin, ça fait assez plaisir. Genre, elle les séduit, j'imagine, ou quelque chose. Donc, ça, c'est bien parce que, moi, personnellement, ça me fait toujours plaisir qu'on tue des hommes en masse. Mais, ouais, et donc, après, ils sont plus qu'une coque de peau. Et il y a ce passage dans le film, voilà, c'est à la, alors je dis exactement, c'est là, c'est à 36 minutes et 41 secondes, méfiez-vous. Il y a, pardon, j'enlève mon casque, attention, il va y avoir un gros bruit. Voilà, c'est ça m'a bien vénère, parce que comme vous pouvez voir là dans le son, c'est un moment évidemment là où il y avait pas beaucoup de son du tout, quelques petits screech ou quelque chose. Et évidemment, enfin, on est dans ce truc. Je me dis putain, c'est sûr, il y a un gros bruit qui va arriver à un moment. Et ça ne rate pas. Le voilà, c'est un mec qui explose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà, c'est avant, je regardais le film tranquillement. Hein, et après, enfin, tout ce temps-là, jusqu'à ouais, juste non, juste tout ce temps-là. J'ai passé mon temps à avoir peur en fait qu'il y a un nouveau gros bruit qui arrive. Donc là, c'est le moment, hein, le moment exact où le film a perdu toute ma confiance en lui, en me faisant subir cette violence d'un gros son dans la gueule. Là, ça va, hein, il n'y a plus de. Alors, oui, spoiler, il n'y a pas d'autres gros sons, hein, parce que j'ai dû vérifier là, après 1 heure. À un moment, elle se regarde dans le miroir, je me dis, putain, il y a un gros son qui va arriver, peut-être, qu'est-ce que j'en sais? Je sais que le film est capable de faire ses conneries. Et donc, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le logiciel, MKV Extract, pour sortir la piste son de mon fichier MKV, qui était en point DTS, sur 6 pistes, super chiant. Donc j'ai utilisé VLC pour convertir cette piste son en MP3 deux pistes que j'ai ici, donc ce qui m'a permis de regarder que bon, il semblait pas qu'il y ait de gros sons très brusques. Bon, il y a ce moment un peu avec les mais c'est la musique qui fait ça, c'est rigolo, ça fait boum boum, ouais, une musique chelou. Voilà, enfin, donc il n'y a pas d'autre moment, là c'est juste une scène, enfin, ça doit être, c'est pas des gros sons comme brusques comme ce truc là quoi, on voit très clairement paf. Donc voilà, j'ai dû faire ça, sinon je pouvais pas gérer de regarder ce film, enfin je pouvais continuer à le regarder, mais enfin je l'aurais complètement détesté parce que j'aurais passé une bonne cinquantaine de minutes à attendre, à avoir peur d'un nouveau son brusque. Donc ne faites pas ça, ne faites jamais ça dans un film. Vous êtes des grosses merdes si vous faites ça, je vous déteste. Et je n'ai aucune. Si vous voulez perdre complètement l'intérêt que j'ai pour votre film, faites ça, après je vais me méfier tout le reste, tout le long du film. Donc si vous voulez faire ça dans la première scène, là c'est parfait. Comme ça je vais passer tout le film à flipper que vous recommenciez vos conneries et je vais vous détester. Donc ne faites pas ça. Et donc bah, c'est la technique que j'ai utilisée, je pense que je la réutiliserai pour certains autres films en lesquels j'ai pas confiance.
Bon, le problème c'est que c'est dur à dire hein, quand parce que là, enfin, il y a des trucs comme ça, enfin, de loin comme ça, c'est assez dur. On voit où il y a des pics, mais on ne sait pas forcément s'ils sont très soudains ou pas. Donc, faut zoomer, faut investiguer. Du coup, on peut pas avoir entièrement confiance. Mais bon, enfin, effectivement, il n'y avait pas d'autres sons brusques après. C'est con parce qu'en plus la scène était sympa après. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, enfin, c'est un film, il existe. Enfin, il n'y a pas grand-chose en fait. Enfin, je trouve c'est pas mal, mais c'est assez vide pour pas grand-chose. La fin est assez ridicule en fait. Enfin, ce mec qui se ramène, oui, enfin la scène de viol, enfin de tentative de viol et de très très mauvais goût. Et ensuite, le mec se ramène avec un bidon d'essence pour foutre le feu à Scarlett Johansson. Je trouvais ça complètement con. Mais c'est ça qui est bizarre avec ce film, c'est qu'il y a des moments assez fascinants qui sont alternés avec des moments d'une extrême stupidité. Et c'est assez étrange. Qu'est-ce que... Je sais plus, j'avais un autre truc à dire, j'ai pris des notes, mais... Ah oui! Oui, il y a un moment, Scarlett Johansson, elle mange un gâteau avec une fourchette. Je sais que ça se fait, hein, à certains endroits, mais à chaque fois, ça me... C'est pas très bonne chance, ça me fascine, en fait, c'est assez étrange, enfin, je trouve ça... Presque, je trouve ça d'un luxe extrême, ou quelque chose comme ça, j'ai du mal à décrire l'impression que ça me fait, mais c'est assez intéressant. Voilà, donc si vous aimez bien voir des films où enfin des sales mecs se font se font quoi éliminer pour parce que avec leur manière masculine dégueulasse et tout ça. Vous voyez la première moitié de ce film. La seconde moitié, c'est pas très intéressant. Oui, pardon, il y a une scène assez géniale quand même. C'est la scène sur la plage où il y a des gens qui sont en train de se noyer. Enfin, il y a un chien qui va se noyer et on voit qu'il y a une femme qui allait nager pour sauver le chien et ensuite son mec, enfin, son mari, j'en sais rien, va nager pour la sauver elle aussi. Enfin, elle est très bien. Enfin, c'est filmé d'assez loin comme ça et de façon assez neutre. Enfin, elle est très classe cette scène. Enfin, il y a un type qui va aller sauver les gens, mais il sauve que le mec qui était parti chercher sa femme qui est morte, enfin qui s'est noyée avec le chien maintenant. Et donc il le ramène sur la plage. Et lui, il est complètement essoufflé et tout d'avoir ramené le gars. Et bah le premier truc que fait le mec qui a été sauvé, c'est de retourner à la mer et de se noyer. C'est fait très discrètement, il sort juste du cadre vite fait, on le revoit plus jamais, c'est très cool. Et du coup, Scarlett, elle va vers le mec, elle lui casse la tête avec une pierre. Elle traîne le corps et il y a un bébé qui reste sur la plage et qui va sûrement mourir de faim ou je sais pas quoi. Ça c'est une très bonne scène. Voilà, c'est dommage que le reste du film soit pas forcément du même niveau, surtout après. Mais très très belle scène, donc je suis content d'avoir vu le film pour cette scène et pour d'autres choses. Moi j'aime bien Scarlett Johansson, elle est cool. Elle est très bien dans ce film. Enfin, je pense que c'est un rôle. Le début du film m'a fait chier, ouais. Où il y a, je sais pas, une femme à poil, c'est Scarlett Johansson, et il y a Scarlett Johansson à poil qui enlève les habits de Scarlett Johansson et qui remet les. C'est très moche. Enfin, voilà, c'est très. Je sais pas comment dire.
J'allais dire fétichiste, mais c'est pas vraiment un fétiche, c'est juste bah tu montes des femmes à poil parce que ça fait un côté artistique, parce qu'il y a un côté très pub de parfum, genre érotisme froid et artistique, dégueulasse. Mais bon, enfin, après ça va mieux, mais ça dépend des fois, mais ça va. Enfin bon, voilà, c'était ma critique. Je voulais pas faire si long, hein, mais j'espère que ça a enregistré. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques sur lecercle.com. Bisous.